Il est l'heure d'aller se coucher, là. Et vite, sinon il va être trop tard pour l'histoire. Alors, on était où, déjà ? Chaque soir, au moment de l'endormir, le père de Sophia devient le prince d'un monde merveilleux inventé pour elle. Début de l'histoire dans 2 minutes. Et chaque soir... J'arrive, princesse ! Le prince sauve sa princesse. Jusqu'au jour où... Comment ça, pas d'histoire ? Papa, j'ai 11 ans. Je peux me les faire toutes seules, mes histoires, maintenant. Tu comprends ? C'était fantastique, c'était génial, franchement génial. Moi c'est où j'adore, où j'aime pas, j'ai adoré. Franchement c'est super, c'est très original et ça fait du bien, vraiment, ça fait du bien, voilà. C'est un film qui fait du bien au cœur, c'est génial. Moi je me suis régalé, vraiment super. C'est un très beau film, hein. Vraiment très agréable. On a franchement, c'est une histoire très très jolie et sentimentale. Et Omar Sy, c'est vraiment, il est vraiment super, ainsi que la petite... Franchement tous les acteurs sont super. Il était bien, j'ai bien aimé. Sophia a changé 3 fois, c'était hyper bien, ça exprime bien, je trouve, la fille qui grandit. J'ai aimé ce film, parce qu'il y avait plein de personnages imaginaires et dans ma chambre, bah, c'est un peu comme ça, et du coup, bah, j'ai aimé ce film. Super film, magnifique, franchement, on a passé de bons moments. On a ri et... Tout était bien, tout. Qu'est-ce que t'as préféré comme scène ? Tout. Tout ? Y a pas une scène que t'as préférée en particulier ? Si, quand il volait avec les palmes, quand il volait avec les mâles. Quand il volait avec les palmes. Ouais, mais c'est bien. Oui, c'était parfait, franchement c'était vraiment très bien. C'était un très bon moment en famille, vraiment un super film, super appréciable, on recommande très très fortement, vraiment. Super moment, vraiment. C'est un vrai plaisir. Surtout que bah voilà, ça nous touche pas mal puisque bah, elle va bientôt rentrer au collège. Donc j'étais très concerné. Bon, dans l'ensemble, c'est pas mal. Oui, je trouvais ça super bien. Le fait d'inverser, d'alterner les images d'animation et les prises de vue réelles, c'était très intéressant et c'était un super film.